Bien le bonjour les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une petite vidéo. On espère que ça vous a manqué même un petit peu. Alors aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour vous présenter la nouveauté de chez JR Farm. Vous l'avez vu en photo, vous avez vu que Bibi chez Stitch l'ont reçu. Et donc on vous avait promis de vous présenter ça en vidéo. Donc une promesse est une promesse et donc on y va, on vous présente ça. Alors en fait c'est quoi? Donc JR Farm, vous le savez, c'est une marque qu'on aime beaucoup. Ce sont autant du foin que des friandises, plein de produits naturels pour les loulous. Naturels et donc avec des composants qui sont bons pour eux. Et donc on aime assez bien ces produits. Et donc on a vu qu'il y avait cette nouveauté au magasin Poils et Plumes de Mons le week-end passé. Et donc on en a acheté deux. Donc là vous voyez l'emballage vide en fait parce que on l'a déjà donné donc à Bibi chez Stitch. Et donc on va vous expliquer et on a filmé les nouilles à l'ouvrage et donc vous aurez après la vision des lapins qui s'amusent avec leur cadeau. Donc qu'est-ce que c'est en fait cette nouveauté de chez JR Farm? C'est un pré d'herbe au pissenlit. Donc en fait vous avez pour la surface de la boîte un espèce de carton, on va dire ça comme ça, un espèce de contenant qui peut se manger, donc qui n'est pas toxique et qui peut se manger. Et dedans ben, vous avez effectivement comme un espèce de, vous diriez un bout de pelouse quoi, comme si on avait découpé, oui Falcor, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous ne voyez plus rien. Voilà, enfin si vous voyez le derrière de Falcor. Falcor, tu veux bien t'asseoir si tu viens là? Donc, Falcor qui veut être au centre de l'attention. Bonjour, voilà. Donc, ce n'est absolument pas un produit pour chien. Hein. Donc, c'est un produit pour lapin, pour lagomorphe ou pour rongeur. Essentiellement pour les lapins et les cobés. Falcor, écoute, on voit plus. En plus, il a la truffe pleine de je sais pas quoi parce qu'il vient d'aller creuser un trou. Parce que Falcor est un lapin dans l'âme. Et donc, on va essayer de se concentrer. Donc, le pré d'herbe au pissenlit de chez JR Farm, vous avez l'impression qu'on a découpé un bout de pelouse. Et donc, dans un contenant qui se mange, vous avez tout simplement, effectivement, comme un bout de pelouse. Donc, vous avez de l'herbe, des pissenlits, du foin, plein de choses mélangées. Et donc, ça va permettre quoi? Ben, ça va permettre aux petits museaux de manger, ça se mange déjà. Il va pouvoir gratter, il va pouvoir arracher, il va pouvoir farfouiller, donc il va pouvoir s'éclater avec ça. Alors c'est un avantage tout à fait certain, vous le comprendrez, pour les petits museaux qui vivent en intérieur exclusivement et qui n'ont pas la chance de pouvoir jouer dans l'herbe ou voilà dans la terre. Et donc ça leur offre en fait un petit coin de verdure tout simplement. Donc on va avoir des petites fleurs sur la surface qui vont pouvoir être mangées et qui vont apporter des fibres. On va avoir des racines qui sont bonnes à grignoter aussi pour les dents. Et puis on a la terre avec tout ce que la terre a de bon en elle. N'est-ce pas Falcor? Voilà. Et donc c'est tout simple, ça coûte une dizaine d'euros. Alors la durée du produit, bah, ça va dépendre de l'enthousiasme et du nombre de petits museaux que vous avez. Stitch et Bibi m'ont retourné le truc assez rapidement, hein, donc ça n'a pas fait des semaines, hein. En un jour ils avaient bien gratté, ils avaient bien enlevé. Donc si vous voulez que ça dure un peu, peut-être l'enlever, remettre peut-être un peu chaque jour, ou alors vous laissez tout le temps, c'est un peu comme vous voulez. Est-ce qu'on va racheter ce produit? Oui, parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, je vous dis, pour ceux qui vivent exclusivement à l'intérieur ou même en cage, ou même nos loulous ici, ils sont en extérieur, mais ça leur apporte quelque chose en plus. Et donc, voilà, c'est à la fois une friandise, c'est à la fois de la nourriture, c'est à la fois pour pouvoir jouer, gratter, creuser. Ils ont revalsé le truc et donc ils s'amusent beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui est très chouette pour les petits museaux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien. Qualité de JR Farm. Ça sert à quelque chose. Les petits museaux aiment. Et ça a un prix respectable. Peut-être pas pour en acheter un par jour, mais ça a un prix respectable. Et donc on adhère, on adore, on approuve. On vous le conseille
ce nouveau petit produit. Et donc, on a donné la deuxième pièce qu'on a achetée au bébé, qu'on a au bébé lapin qu'on a pour l'instant au château. Lapins qui, faut-il le rappeler, sont adoptables à la fin de leur quarantaine. Et donc, nos loustiques ont découvert. Alors, vous pardonnerez, ils n'ont pas l'air très enthousiastes comme ça, mais c'est parce qu'en fait, ils sont sortis de leur boîte et ils étaient dans un petit enclos. Et donc, ils étaient beaucoup plus intéressés de voir ce qui se passait partout. Après, le pré d'herbe au pissenlit a été mis dans leur boîte et effectivement, ils grattent, ils jouent, ils arrachent, ils enlèvent, ils creusent, ils dorment dessus, ils font caca dessus. Bref, c'est un petit coin d'herbe à l'intérieur. Et donc, ils aiment beaucoup. Voilà, voilà. Et donc, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de découverte produit, de test produit, d'éducation, que sais-je encore, ça en fonction de ce que vous nous demandez. Donc si vous aimez les vidéos, demandez, donnez-nous des sujets, on va s'exécuter avec la plus grande, avec le plus grand plaisir.